Bonjour. Bonjour Richard. Bon, alors on commence à partir du chapitre 21, verset 17, donc la suite. Il mesure aussi la muraille de la ville. Elle est en jaspe, la cité d'or pur, semblable à un pur cristal. Ah, pardon. 17, excusez-moi, c'est celle 18. Il mesure aussi la muraille, 144 coudées en mesure d'homme, celle aussi de l'ange. Alors, le verset ici contient 58 lettres. C'est un chiffre extrêmement important, d'autant plus que c'est... la valeur numérique de Ren. Ren, c'est-à-dire la grâce divine, c'est-à-dire cette grâce qui est la base même du Messie, qui est fondée sur la grâce. On parle de Mashiach Ren, le Messie de grâce. Une grâce, comme à Yosef, par exemple, on avait donné la grâce. La grâce, c'est cette Rochma Nistéret, c'est-à-dire cette sagesse cachée, qui est sur le visage de la personne qui revêtit de la grâce, et qui représente, c'est pas une beauté, c'est quelque chose qui ressort, qui est une force d'attraction qui correspond, qu'on appelle la grâce, et qui en même temps, draine d'en haut la sagesse cachée et attire d'en haut la sagesse cachée. Le nombre des mots est 12, donc comme les lettres, comme les tribus, et le nombre dont on parle dans ce verset 17, c'est le nombre 144 pour les coudées, à mesure d'homme, et celle aussi de l'ange. Donc ici, on a évidemment, par le rapport de 12 et 144, au multiple de 12 par 12, 58 qui est la base de, à la fois Noach, du nombre correspondant à Noach, à Noé, et qui est le nombre aussi correspondant à Chen, qui est la grâce, qui a revêti Joseph. Alors, trouver la grâce, par exemple, Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur aussi. C'est-à-dire que Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. On va le voir dans le nombre correspondant à Noach lui-même. Donc, il est 258. Dans ce nom, dit notre ami Cohen Alouro, Rav Ariel Cohen Alouro, de Yimar, qui signifie et sera effacé pour son nom et son souvenir, il dit derrière la malédiction qu'on lui a donnée, que le peuple juif par la suite a donné pour désigner Jésus, quand ce qu'il appelle, il appelle Yimar Shmo Zichro, que maudit soit son nom et son souvenir, ou qu'effacé soit son nom et son souvenir, quelque chose qui est exécrable à dire, et pour moi absolument exécrable à dire, et il y a de quoi avoir honte de dire une chose pareille. Et ceux qui ne se sentent pas gênés de le dire, ce sont des abrutis pour moi. Hein, qui qu'il soit, toujours utile que Dieu qui inverse les malédictions de l'homme, là où il veut donner une bénédiction, s'arrange pour que l'homme, dans son méfait de malédiction, apporte une bénédiction supplémentaire à la personne qu'il maudit, lorsque ce qu'il maudit ne mérite pas de malédiction. Donc Hachem a retourné, dit Rabbi Cohen Alouro, il a raison, la clala ou la malédiction qui a été donnée pour Jésus, ou Yeshua, en bénédiction.
Maintenant, ceux qui ont forgé cette malédiction, ce n'est pas tout le peuple juif, bien évidemment, loin de là même, parce que pour la simple et bonne raison que 99%, si ce n'est plus, du peuple des alentours de Jérusalem, ne parlons pas de ceux qui étaient dans les fins fonds d'Israël, ignoraient totalement le nom de Jésus et ignoraient tout de ce qui se passait à Jérusalem, donc ils ne pouvaient pas être impliqués dans la chose. C'est logique. Donc s'il y a des comploteurs qui ont fait une sale affaire, qui l'ont mal jugé, hein, c'est pas tout le peuple juif qui est responsable de cette chose-là. Et en rien, le peuple juif n'était associé à l'époque à cette chose-là. Par contre, on pourrait dire que par la suite, l'histoire s'est plus ou moins connue, et étant donné que du côté de ceux qui avaient inclus la totalité des Juifs dans cette action, chose qui est totalement illogique. Hein? Là, ce n'est pas aux Juifs qui est la responsabilité, mais à ceux qui ont pris la succession par la suite au Vatican. Hein? C'est complètement idiot de leur part et totalement inconscient, tout aussi illogique et aberrant, parce que, tout simplement, historiquement, la totalité du peuple juif qui était dans tout Israël, disséminé, ignorait tout de l'histoire de Jésus. Donc, ils ne pouvaient pas s'être associés tous les juifs ensemble pour être des déicides en voulant tuer Dieu. C'est tout à fait logique. Selon ce que le Vatican disait, bien évidemment. Hein? Donc on avait fait pendant des générations des Juifs un peuple de déicides, et on lui a fait endosser des choses qu'il n'avait pas endossées. Un. Deux, il s'agissait d'une toute petite occlusion qui voulait mettre la main sur le peuple, et cette petite occlusion a réussi par la suite à dépendre et à dispenser son information dans tout le peuple juif, grâce à l'appui que l'autre côté contraire, qui lui a voulu impliquer la totalité du peuple juif, l'a fait. Donc on pourrait dire que quelque part il y a convention dans le mal, dans les deux extrêmes. Vous me suivez? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est compréhensible? Voilà. Alors n'importe quelle personne qui a la tête sur les épaules et qui réfléchit un petit peu peut se rendre compte de la supercherie. Maintenant, ceux qui ne s'en rendent pas compte de la supercherie, c'est soit parce qu'ils sont mal intentionnés et veulent que cette supercherie persiste comme une vérité, soit que, bon, ils ont certains intérêts dedans. Où ils sont tachetés pour se taire. Voilà. Bon. Alors, on va continuer. Voilà pourquoi ici, et bien le souligne mon ami Rav Ariel Cohen à l'Oro, hein, l'image que soit effacée sont trois des lettres qui sont dans Mashiach. Mais en plus, sont les lettres qui font en valeur numérique le mot « Chen » et « Chen » est lié particulièrement à Yosef. Yeshua incarne dans son histoire un petit peu plus ou moins l'histoire de Joseph, qui pour ses frères, par lesquels il avait été vendu, Joseph, était cru mort. Mais en réalité, il n'est pas mort, mais il va régner dans le monde où la mort est glorifiée, c'est l'Égypte. Il va accéder, après un certain temps, carrément à la
dignité de pharaon d'Égypte. Vice-roi, vice-pharaon. Alors, on va voir que le nombre du degré de cette phrase-là, qui contient 58 mots, c'est le degré 23. Donc, on pourrait dire quelque part, il y a ici le secret de la 23e lettre qui est entre la vie et la mort, puisqu'elle est dans les deux mondes. C'est la fameuse lettre cachée. Verset suivant, verset 18. La muraille de la ville est en jaspe. Yeshpa, je répète, Yeshpa. Il y a ici la parole, le jaspe, et la pierre qui va symboliser la pierre du verbe. La pierre qui est verbe. Et la cité est d'or pur, semblable à un cristal. Alors un or pur qui est semblable à un cristal, c'est dur à imaginer, mais... Alors ici, quand on regarde le terme hébreu, on peut se dire, oui, c'est difficile à imaginer en français, ou en traduction, mais c'est pas difficile à imaginer quand on le regarde en hébreu. Le texte dit « Aïr zahav mupaz domé leseruchit zaha ». Il est comme un or mupaz, qui veut dire à la fois un or du plus pur comme un diadème, mais ça contient la racine qu'on va retrouver dans topaz. Topaz, c'est la topaze. La topaze royale qui est de couleur or. Donc on comprend que ce cristallin-là est un cristallin de topaze dite royale, la topaze royale, hein, malchoutite en hébreu, royale, qui ressemble aussi à un shruchit, à un verre de cristal. Or là, elle est à la fois une topaze royale et un shruchit de cristal. Pour dire quoi, que le bas de la... Certainement, comme ça se voit dans les topazes royales natives, hein, le bas de la topaze est formé de bases cristallines. Et c'est pareil pour toutes les, pour les améthystes, pour les rose quartz et beaucoup d'autres pierres. Mais cette forme, ce cristal cristallin, est un cristal très translucide et pur. Vous voyez ? Zaha veut dire pur. En même temps, Zaha est en valeur numérique 32, qui nous rappelle les 32 voies de la sagesse. Donc on comprend que cette pureté est une pureté de cœur, puisque 32, c'est le nombre du cœur. Le verset contient 50 lettres, 12 mots, et ça veut dire que 50 lettres, ça a passé la 50e porte de la sagesse, de l'intelligence, pardon, et ça représente la victoire sur la mort. Donc, d'où ce cristal qui est un cristal pur, qui traverse les générations et qui est en même temps, symboliquement, si vous voulez, qui reproduit le réveil des morts. D'où la symbolique liée au réveil de la mort. Voilà pourquoi, quelque part, dans le temple, qui est le troisième temple, qui sera dans cette Jérusalem céleste aux 12 portes, semblable à des pierres précieuses, chaque porte pour chaque porte, il est évident que
cela va aller en relation directe avec un verset ramené par le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui dit la chose suivante. Au moment même où le temple fut détruit, le temple de Salomon, le troisième temple fut reconstruit en haut dans le ciel. Fut construit en haut dans le ciel. C'est-à-dire ce temple éternel fut construit. Donc ce temple éternel existait déjà, quelque part, à cette époque-là, il y a 2000 ans en arrière. Et ce qu'on peut se dire, c'est que ce même temple va réapparaître à la fin des temps, et c'est ce même temps qui désignera le point du troisième temps physique matériel sur cette terre, quand il va descendre d'en haut. Alors ici, nous avons la relation du troisième temps avec l'année de destruction du troisième temps, qui, lorsqu'on écrit en toutes lettres, en lettres et non pas en chiffres, on écrit le premier temple fut détruit en destruction du premier temple en l'an 3300 et quelques, hein, je ne me rappelle plus exactement, mais, et qu'on y calcule la valeur numérique, on va trouver l'exacte valeur numérique qui est rapportée par le Ramchal qui dit: au moment même où le premier temple a été détruit, le troisième temple a été construit dans le ciel. Donc, voilà une chose et un sujet qui va concerner cette chose-là, et dire que même à ce moment-là, ce n'est pas après que le troisième temple a été construit, même en haut, il a déjà été construit dès que le premier temple a été détruit. Vous suivez ? Chose que le Ramchal nous a ramené, sans ramener le verset qui marque en toutes lettres qu'on y trouve la même valeur numérique. Le verset n'est pas ramené, c'est moi qui l'ai trouvé. En allant marquer l'année, j'ai calculé, et puis curieusement, ça tombait pile. Donc, je l'ai mis dans mon dictionnaire de Gematria. Alors, verset 19. Ah, le degré ici est 327, c'est-à-dire 27e degré du Verseau, qui nous symbolise finalement les premiers degrés ou les premiers pas dans l'ère du Verseau vrai. C'est quelque chose qui va se passer dans les à peu près 210 années, les premières 210 années du signe du Verseau. Où effectivement on verra d'une manière claire, hein, apparaître, même de manière anticipée, hein, on verra apparaître ces choses-là, et toute personne qui est un peu branchée pourra se connecter et voir le troisième temple d'en haut, et même le temple céleste. Il y aura des prophètes formés d'ici là. Donc après nous avons donc le verset 19. Les fondations de la muraille de la cité sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première est le jaspe. Alors on sait que le jaspe étant Yashfa en hébreu, Yeshpo, il y a ici. Mais il y a ici quoi? Il y a ici le verbe. Or le Yesh, c'est ce qui est créé. Ça veut dire que le monde qui était inexistant à la base a été devenu un monde existant, et il est devenu un monde existant par le verbe. C'est le jaspe qui va témoigner de cette chose-là, en tant que pierre, d'après son nom. Acheni, saphir, la deuxième pierre, la deuxième porte, hein, la deuxième base des fondations de la muraille, étant saphir, le saphir, la chose sphaira, sphirot. Mais en même temps, rayonnement de nombre. Il rayonne la lumière des nombres. Donc le premier mur est le mur de la pierre du verbe.
Le deuxième mur est le mur de la, enfin le deuxième composante du mur, des murs est du saphir, c'est-à-dire de la pierre de rayonnement de la lumière des nombres et des sphères. Le troisième s'appelle le chalcédoine et le quatrième l'émeraude. En ce se dit en hébreu, Shebo, Shebo ça veut dire celle qui a en elle, mais en fait revient à lui, vous revenez, voilà. C'est la pierre qui provoque le retour, ou l'attraction vers le retour. À Révi, la quatrième pierre, c'est le Baréket. Baréket signifie donc l'émeraude, mais en même temps, c'est la pierre de Barak. De Barak, c'est-à-dire de l'éclair. Or, l'éclair, dans les sphirotes, on signifie la symbolique de l'éclair. C'est pour la construction des sphirotes en mode, non pas de cercle, mais en mode de, comment dirais-je, d'arbre. Arbre séphirotique. Donc, ça construit des arbres séphirotiques à partir de cette fameuse lumière verte. Lumière verte qui est en même temps la lumière de la fin de la barrière de Planck, qui représente la délimitation de notre univers physique. On a vu ça. Alors, on est au verset 20. Alors ici, shalom, shalom. Shalom, shalom. Alors ici, nous avons dans les fondations des quatre premières pierres précieuses, formant les murs, les murailles de la cité, on a le nombre 83 dans les lettres. Or, 83 est la valeur numérique en milouille, en remplissage de lettres, du mot guimel. Guimel, c'est le nom de la troisième lettre, mais le guimel, on sait qu'il est relié aux matières, au chomer guélem. Guimel, quand on permute les lettres, nous avons guélem. Guimel avec le yud, donc nous avons galmi. Nous avons les lettres de galmi, mon éther. Ici, ça veut dire que c'est les murs même, de par le nombre des lettres, ça nous indique que les murs même sont de matière éthérique. Et que ces pierres dont on parle sont des pierres d'une matière éthérique ou d'une matière de corps glorieux. Vous voyez les indications. D'où le nombre 210 pour le degré, qui est le nombre correspondant à Haelev, l'épée. Ça veut dire que tous ceux qui auront droit de rentrer dans cette Jérusalem céleste sont ceux qui auront été sélectionnés par l'épée. Et donc, comme ils ont été sélectionnés par l'épée de l'amour, l'épée du tri, l'épée de la lumière, ils pourront entrer dans la cité sainte et revêtir leur corps glorieux. Et chacune des lettres de leur corps glorieux sera constituée d'une des pierres des grands murs de la grande muraille. Puisque 12 des lettres de l'alphabet vont symboliser les 12 grandes portes qui sont sur la grande muraille qui entoure la ville sainte. Et on sait que ici, cela forme la mesure de la muraille de 144 coudées. On l'avait vu au verset 17. Et les 144 coudées, c'est 12 fois 12. On a énuméré ici les 4 premières bases des 12. Donc chaque tribu et sous-tribu, chaque plan de conscience et sous-plan de conscience parmi les 144 000
qui vont entrer les premiers dans cette notion de connexion avec la Jérusalem d'en haut, vont recevoir en fonction des pierres, de leur couleur, de leur disposition, de leur signification profonde en termes métaphysiques, ces habillements-là à l'intérieur même des lettres correspondantes dans leur alphabet de construction personnelle de leur corps glorieux. Est-ce que c'est clair? J'attends une réponse. Ça va? C'est clair. Bon. Parce qu'il y en a qui disent toujours « Ouais, on ne comprend pas ce que tu dis. » Alors ça, c'est valable pour eux. Hein, parce qu'ils ne veulent pas comprendre, voilà pourquoi. Alors, verset 20. On arrive à la cinquième constitution de la grande muraille qui entoure la fameuse ville sacrée. La cinquième, elle est de Sardoine. Alors le Sardoine se dit Yahalom. Yahalom, c'est le Sardoine, mais c'est un Sardoine diamanté. Et Yahalom sont quatre parmi les lettres de Elohim. Il manque le Aleph. Le Aleph, on va le trouver en nous. C'est le point de l'équilibre. On verra ça plus tard dans un autre verset qui va suivre et qui est lié au Aleph. Donc, la sixième, la cornaline. Odem, ça se dit. Odem, ça veut dire la pierre rouge. C'est une pierre. La cornaline, c'est une pierre qui ressemble ou le cornélian en anglais, je crois. Hein? Je pense que c'est une pierre rouge-orangée. Voilà. La septième, la chrysolite. Ça se dit en hébreu Tarshish. Le Tarshish est un des noms des grands anges parmi les anges qui sont dans les 10 hiérarchies sacrées des anges, dans les 10 grandes hiérarchies, dont 9 ont été adoptées dans le christianisme comme les 9 cœurs des anges. Okay. Donc, nous avons ici la septième, la chrysolite. Donc, le Tarshish, et ce Tarshish, c'est en faire une pierre angélique, quelque part. La chrysolite. Le huitième matériel de pierre précieuse construisant la muraille de la ville sacrée est le béryl. Le béryl se dit en hébreu Shoham. Shoham, c'est le béryl, mais ça veut dire aussi, en hébreu, le shoham, c'est la pierre noire, brillante. Une sorte de diamant noir, comme ça. Ce shoham contient les lettres de Moshe de Hachem. À la fois de Moshe et de Hachem. Donc c'est une pierre contenant en elle, si vous voulez, la possibilité de, à partir de la lumière noire, faire jaillir une partie de cette lumière noire dans la Torah, de la lumière du feu blanc, de façon à construire pour la Torah dévoilée, du monde Big Bangé, si vous voulez, qui a été dans le Big Bang, qui est devenu le résultat d'un Big Bang. Atishri, Pidda, la neuvième, la topaze. Pidda. Pidda.
Alors, pitda, ça se dit. Mais pitda, on pourrait dire, c'est contient les lettres P, tête, qui est pit, mais quand on inverse les lettres, nous avons taf, c'est-à-dire la pierre, on pourrait dire, de fœtus. C'est une pierre qui permet, cette topaze, de maintenir un fœtus dans le sein maternel. Dans les propriétés kabbalistiques, disons, en kabbale pratique normale, quand une femme est enceinte, il est bon qu'elle garde sur elle une topaze. Hein? Le nombre de la topaze est 98. C'est le nombre qui va pouvoir permettre de mener à terme et jusqu'au temps final ce fœtus. Et en espérant que ce fœtus-là, il aura une réaction, une relation directe avec la doux Megillah, c'est-à-dire la Megillah de la délivrance pour la dernière génération. Donc ça, c'est le grand secret de la Pitda. Et de façon à éviter toute douleur d'enfantement, ou toute douleur de perte du fœtus, ou tout avortement, jusqu'au temps final où le dernier accouchement qui aura lieu sera l'accouchement du monde nouveau et donc du nouveau monde et donc des douleurs d'enfantement messianique, mais qui ne permettront pas d'avortement. Donc c'est la Pitda qui maintient ces choses-là. Et la Pitda spirituelle, elle fait, dans un autre sens, elle protège tout ça. Avec l'aide d'Hachem. Alors il est bon de la porter aussi avec du Shoham, hein, qui contient l'aide de nom d'Hachem. Asiri Nefer. La dixième de chrysophrase. Néfer. Là, ici, Néfer, c'est un peu un nom presque égyptien. C'est quoi ce petit bruit-là? Echadassar, la onzième, Léchem, en son nom. Léchem, c'est aussi le hyacinthe. La douzième, Shnaïmasa, Ahlama, l'améthyste. La douzième est l'améthyste. Donc on nous donne ici les 12 pierres en fonction des 12 signes du zodiaque. Ce n'est pas le même ordre que l'ordre donné dans les 12 pierres lorsqu'elles sont sur le pectoral du prêtre. Pourquoi y a-t-il deux dispensations des pierres pour les 12 lettres? Parce que le pectoral du prêtre représente dans les sphirotes, la sphira de Tiferet, l'harmonie et la réparation du monde et son rééquilibrage dans la vérité. Alors qu'ici, ça représente les 12 forces entourantes qu'il existe dans l'âme, qui ont à la fois une relation avec les 12 signes et les 12 maisons. Alors certes, le pectoral aussi, mais le pectoral, c'est à la fois ce rapport avec les 12, mais dans le centre de rééquilibrage du cosmos. Donc, on va voir que c'est une autre disposition. C'est la disposition que porte celui qui va servir dans le temple, le Cohen, le grand prêtre, qui va servir dans le temple et rééquilibrer toutes ses forces. Alors, il y a donc les forces macrocosmiques et les forces microcosmiques avec une disposition en rapport avec le macrocosme, mais qui va gérer ça pour le rééquilibrage. Et c'est intéressant qu'en prenant
chacune des 12 d'ici multipliée par chacune des 12 de l'autre, nous obtiendrons 144, qui est le nombre encodé de la mesure de la muraille. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? J'attends une réponse. À part Eva, je vois aussi de la tête, les autres non. Oui, c'est bien, d'accord. Richard, ça va? Ok, bon, il faut creuser, bien évidemment, mais bon, je comprends. Attention, Ginevra, ça va? Très bien, Xavier. Bon, tu reverras ça, Xavier. Verset 21. Les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte est d'une seule perle. Alors il y a donc la muraille. La muraille est constituée de 12 bases de pierres précieuses. Cependant, la porte, chaque porte, et toutes les portes sont faites d'une seule perle. Alors, ici, la place de la cité d'or, la place de la cité est d'or pur. La place. Comme du cristal transparent. Alors, par or pur, on entend aussi un âge d'or pur, mais un âge d'or pur, comme le cristal transparent, ça veut dire qu'il est pur, qui a tout purifié ce qui était avant, puisque dans le sceau du cristal, on sait qu'on a 42 cercles, d'accord, qui est lié au nom en 42 lettres, et dans sa signification, il y a aussi cru. Donc, ici, on comprend que l'or, d'un côté, va signifier l'âge, le temps, l'âge d'or, mais un âge d'or qui va durer, comme le cristal. Alors, l'intérêt ici, c'est de savoir que ce fameux cristal qui contient 42 lettres, les 42 lettres du Shem Membet à l'intérieur de sa structure, je vous montre ici, c'est là, ici, hein, voilà. J'en ai fait le sceau. C'est le sceau du cristal céleste. En lettres qui sont tirées de l'alphabet du pectoral du prêtre. Donc ici, la relation avec le cristal, elle est pour donner cette éternité que seul le monde du Tikkun peut apporter, qui n'existait pas dans les précédents cycles pré-adamiques, puisque les cycles étaient karmiques, mais à partir du Tikkun final, il n'y a plus de karma, parce que le mal, en tant que mal, pouvant occasionner un karma, n'existera plus. Le seul mal auquel on donne accès, c'est le mal qui est transformé, qui accepte de venir ou qui retrouve sa fonction initiale et originelle réparée, c'est-à-dire le mal qui va devenir celui qui va guider le bien à se parfaire et lui montrer à chaque fois où est l'écueil pour ne pas qu'il tombe dans l'écueil. C'est ce qu'on appelle le mal sacré de Dieu divin. La profondeur du mal. Vous regarderez mon cours sur un de mes cours sur le Sefer Yetzirah. Vous voyez le premier,
Je pense que dès le premier ou le deuxième, il y a environ 10-15 cours. Hein, vous verrez, j'en parle. Donc, et en même temps, ça parle de la construction du monde à partir des lettres. C'est très intéressant. Et les autres cours existent, mais ils sont en audio. Ils sont pas marqués, ils sont pas sur YouTube, mais plus tard peut-être que je les mettrai à la chaîne appartenant au Sefer Yetzirah. Mais ils sont costauds parce qu'ils sont en hébreu et j'ai commenté tout le Sefer Yetzirah en hébreu pratiquement durant les cours que je faisais, je venais à l'Yeshiva. Mais c'est assez avancé. Alors. Nous étions donc au verset 21. Nous avons vu que le verset 21 contient 86 lettres qui est la valeur numérique de Elohim. Donc on comprend qu'ici, toutes les 12 portes, et avec leurs 12 perles, qui sont une seule perle, elles vont devenir perles divines et portes divines. Ou porte d'accès à la divinité dans son royaume. On voit que le verset 22 du chapitre 21 nous dit la chose suivante. Je ne vois pas de sanctuaire car Yahvé, Yudke, Vavke, l'Éternel, Elohim, Tout-Puissant, est le sanctuaire lui-même ainsi que l'agneau. Alors il est l'ipséité de l'agneau. Il est l'ipséité de l'agneau, tout comme il est l'ipséité du ciel et de la terre. L'ipséité, c'est l'être-té intérieur de chaque chose. Donc Dieu est à la fois Dieu lui-même, transcendant, mais il est en même temps tout l'essentiel divin de sa création par pénétration et par don de sa vie à la création. Donc il est à la fois celui qui donne la vie à toute la création, autant qu'à l'agneau qui lui-même va donner sa vie pour la création à son niveau. C'est pourquoi l'agneau va être nommé appéré par la suite du nom de Yud-Kivavke. Non pas parce qu'il est Yud-Kivavke lui-même, mais parce qu'il est par, on pourrait dire, incorporation de l'ipséité divine et association avec l'ipséité divine, ce qui est le plus apte à représenter l'ipséité divine. Donc voilà pourquoi le verset 22 du chapitre 21 nous dit: je ne vois pas de sanctuaire, que c'est lui-même Hachem qui est le sanctuaire. Il y a ici 47 lettres pour nous dire que c'est un petit peu comme la combinaison du Shem Eliyé et je suis celui qui suis, qui se manifeste dans l'ipséité en tant qu'ipséité de toute chose et en tant qu'ipséité de l'agneau en particulier, associé au Yud-Kevavke, l'Éternel, qui va donner 47 en valeur numérique, qui va être le nom, qui va commander dans la fusion de ces deux noms les cerveaux intérieurs et extérieurs spirituels. Et ce sont ces cerveaux divins, puisque le nombre des lettres du verset précédent est égal à Elohim, donc ce sont ces cerveaux divins qui vont descendre dans les ipséités, en tant qu'ipséité à l'intérieur de toute chose ipséisée, ou de tout être ipséisé. Comme le ciel et la terre ont été ipséisés par Dieu, qui est leur ipséité.
Aussi, le premier verset de la Genèse peut-il se lire de la même manière suivante. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et Haaretz. Au début, au commencement, en tête, en originalité, en primordialité, créa Dieu, Dieu créa le ciel et la terre, et Hashamaim ve et Haaretz. Peut se lire Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, Ata, c'est la création qui s'adresse à Dieu, au Créateur, il lui dit Ata toi, Hashamaim ve'ata haaretz, tu es toi-même les cieux et la terre, dont tu es l'ipséité. Donc c'est les cieux et la terre ipséisés qui vont dire à Dieu, tu es notre ipséité. Nous sommes par toi, mais par toi nous sommes, et pas par nous-mêmes. Aussi le verset 23 est-il en valeur numérique en degrés, 232. Et si le verset précédent nous dit qu'il n'y a pas de sanctuaire, parce que le sanctuaire c'est Yud-Ké-Vav-Ké, c'est 4 lettres, et chacune des 4 lettres de Yud-Ké-Vav-Ké se transforme en un Yud-Ké-Vav-Ké complet, puisqu'elle désigne les 4 univers d'Atsilut, de Bria, de Yetzira et de Asiya, de l'émanation de la création idéale, de la formation angélique et archangélique, et de l'action, ou monde psychophysique, hein, ces 4 lettres du nom de Dieu vont symboliser ces 4 mondes. Mais ces 4 mondes vont être aussi symbolisés par un développement complet de chacun des noms, dont l'un va faire en valeur numérique 72 pour le monde d'Assidut, c'est Yud-Ké-Vav-Ké écrit en Minoun qu'on appelle Yudin, puis Yud-Ké-Vav-Ké écrit en Yudin Anfin, qui fait 63 en valeur numérique, puis Yud-Ké-Vav-Ké écrit Kan Alfin, remplissage Alfin, qui fait 45 comme l'homme, puis Yud-Ké-Vav-Ké qui fait 52 comme le fils de l'homme, et le nombre des semaines de l'année qui est 52. Donc 52. Je pars en remontant, cette fois-ci, 52 plus 45 plus 63. Nous avons donc le fils, Adam, le père, d'en bas, qui est le père-mère, en fait, hein, d'en bas. Nous avons la mère céleste, avec 63, mon monde idéal, et monde d'émanation, le père suprême, avec le monde de l'émanation. Nous avons en valeur numérique totale 232, qui est la valeur numérique de Big Bang en hébreu, qui se dit Mapatz Agadol, Amapatz Agadol. Donc tout l'espace du Big Bang va être ici éclairé par les 4 grands noms de Dieu et qui se révèle dans le nom qui est marqué dans le sanctuaire même, et c'est à partir de ce sanctuaire qui est apparu le Big Bang qui a donné tout notre univers psychophysique et les 4 plans de monde qui sont grands plans de monde qui sont au-dessus de nous. Nous avons 66 lettres qui est la valeur numérique de Ben David, le fils de David, donc c'est logique. Le verset 23 va nous dire la cité n'a besoin ni de soleil ni de lune pour éclairer, car la gloire de Dieu illumine l'agneau et son flambeau. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Il me semble que c'est clair. Il me semble que c'est clair. Bref, en fait, quand c'est pas clair, c'est seulement ceux qui ne sont pas clairs. En fait, ils ont beau se définir autrement, ils ne sont pas clairs. Ça qui voit pas tout.
Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils entendent de traviole parce qu'on leur a appris à apprendre de traviole comme ça. À force de leur faire faire du pile-poule, qui devient par la suite du bilboule. Le bilboule, ça veut dire du chaos. Et ça vient de la racine Babel, qui est Babylone la grande. Voilà. Et le bête se transforme par le P comme le P se transforme par le bête. Voilà pourquoi de pile-poule, on arrive à bilboule. Et on dit, les balbelles est un mohar, ça veut dire, arrête de me travailler mon cerveau, de me faire du lavage de cerveau. Voilà. Et Babel est la spécialiste du lavage de cerveau, par son pile-poule et le bilboule qui est l'occasion. Vous voyez comment tout s'éclaire, au fur et à mesure, hein. Alors, on va voir le verset 24 maintenant. Les nations marcheront à sa lumière. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Il y a ici 49 lettres pour nous dire que, et nous rappeler que ces 12 fameuses portes de cette grande muraille, hein, à 144, à 12 pierres précieuses, qui, combinées avec les pierres plus centrales du prêtre, qu'elles ont une autre répartition, vont donner 144 valeurs combinées, qui va être la clé des 144 coudées de la muraille et la clé des 144 000 qui y accèdent. Oui. Alors ici, évidemment, le nombre 49 nous rappelle les tribus d'Israël parce qu'elles sont 12. Et que leur nombre 40, de 49 lettres, quand on écrit de Réhouven jusqu'à Benjamin, nous trouvons 49 lettres, eh bien, ces 49 lettres-là sont la clé du 7 x 7. Donc, on a le 12 x 12 et le 7 x 7. Et puis, nous avons le 3 x 3 aussi dans le 9, qui est le nombre des, ici, des mots. Alors, évidemment, vous savez, tout ça, ça fait un magnifique labourage de texte. Nous avons une valeur numérique 215 pour le degré, qui est le nombre correspondant à un des noms du schéma méphorage, qui est le nom de Resh Yud He. Ou He, Resh Yud. He, Resh Yud. Hari. Elle. Donc le saut merveilleux du chemin fourrage est mis par ce degré-là qui va en même temps poser ce nom-là de Ré-Resh-Mi. Nous avons ensuite le verset 15 qui va succéder, 25, pardon. Ces portes ne seront jamais fermées chaque jour, car il n'y aura pas de nuit. Et là, on va arriver à la conception qui est précisément donnée dans la Haggadah de Pessah. En parlant des temps messianiques, on dit, est-ce que c'est les temps messianiques qui vont être des temps de jour? Ou on dit non, les temps messianiques sont encore des temps de jour et de nuit, mais avec prédominance du jour sur la nuit. Et ce qui est appelé le monde de jour, pur, c'est le monde d'après le temps du Messie. Et bien, curieusement, ce verset-là, ou cette exposition-là qui est tenue dans la Haggadah de Pessah, on va la voir curieusement traitée dans l'Apocalypse de Jean. Curieux, non ? Hein ? Curieux, non ? Or, comme le jour et la nuit qui contiennent l'un comme l'autre 12 heures,
sont basés sur 12 grands méridiens de signes, eh bien, à chaque signe, nous avons un Hel, c'est-à-dire le grand dominant Hel, le grand gardien de la porte du signe même, qui est le grand ange qui est équivalent à la tribu de ce signe-là, eh bien, nous trouvons dans le nombre des lettres le nombre correspondant à Hel. Et évidemment, ces portes ne sont jamais fermées. Chaque jour, il n'y aura pas de nuit. Les 12 heures de jour et les 12 heures de nuit deviennent 12 heures de pur jour et de lumière. Pourquoi ? Parce que les Kélim sont de la Chochma. Et c'est le nombre du degré 173 qui nous signifie que les réceptacles de diffusion deviennent de la sagesse. Mais les temps aussi deviennent de la sagesse. Les jours des temps deviennent de la sagesse, des jours de sagesse. Donc il n'y a plus de place pour l'obscur. Tout est lumière. Avant-dernier verset. Va'eviu ba kavod agoyim vetiferatam. Et ils y amèneront en elle le respect des peuples et leur rééquilibrage. Et leur rééquilibrage dans la sagesse. Et là, Tiferetam, c'est la racine Tiferet, qui est le point central sur lequel est le pectoral du prêtre, qui se trouve sur sa poitrine, et qui précisément symbolise la zone Aleph dans le corps humain. Or, cette zone Aleph, ou zone cœur-poumon, va symboliser la réception du souffle saint d'un côté, et en même temps l'absorption, grâce au rééquilibrage, du nouvel ADN qui va encrypter les êtres. Qui va être un ADN à 12 spirales. Car depuis que nous avons commis la faute d'Adam Harishon, nous sommes morts en partie et seule une spirale de cet ADN fonctionne. Les 11 autres ont été pratiquement paralysés. Verset 27. Alors ici, par contre, nous trouvons 27 lettres, qui est la valeur numérique de Zar, qui veut dire pur. Donc tout cela va être purifié, les cœurs des nations vont être purifiés, le cœur d'Israël va être purifié, tout va être purifié, et toutes ces fausses accusations vont être obsolète. C'est la raison pour laquelle cela tombe au degré 350, qui est le degré 20 du Verseau, donc le dernier degré du deuxième décan. Du poisson, pardon. Donc le deuxième degré du deuxième décan. Si on compte par rapport à l'ère du poisson quand elle avait commencé, eh bien, on pose l'encens début de l'ère du poisson et on compte 720 années de plus, on est en 820 à l'origine. Et en 820, il faudra voir ce qui s'est passé, mais certainement, déjà, le christianisme est bien fort et bien installé à Rome. Bien installé à Rome. Voilà, le catholicisme. Toujours utile, c'est que ça fait la réparation de cette chose-là, et de ce qui a pu se passer à partir de ces temps-là, où la politique s'est de plus en plus manifestée comme la base du christianisme dévoyé en catholicisme,
Hein? Rien ne cesse de souiller, dit le verset suivant, le 27. Hein? Le verset 27 qui suit au 27 qui est le nombre des lettres dans le verset précédent. Rien de souillé n'y entrera. Aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Il y a ici 63 lettres, qui est la valeur numérique du nom de Yud-Kevav-Ké dans le monde idéal et idéal des idées. Et il y a 37 pour le degré, qui est le degré de Ha Lamed Bet, les 32. Les 32 quoi, posera-t-on la question, on dira les 32 voix en réponse. Et ici, ces 32 voix sont quoi? Les 32 voix du cœur. Les 32 lettres de feu. 32 lettres de feu plus 5 expressions. Lettres de feu qui ne sont pas, qui sont des lettres et pas vraiment des lettres, qui sont en rapport avec les fameuses lettres finales. Les 5 finalités. Voilà, mes chers amis. Alors bon, on a fini ce chapitre 21 et demain, avec l'aide de Dieu, on va commencer le chapitre 22. On va voir que ce fameux chapitre 22 contient Voilà, il y a, là je vois 11, non, il y en a plus, mais je vais les voir en page 49, c'est ça. Bon, pour, combien il contient le chapitre 22, regarde, s'il te plaît, Richard. 21, il fait 21 versets. Voilà, on essaiera de faire demain les 21 versets, si on n'arrive pas à faire tous les 21 versets, on fera la moitié, on fera la moitié à voilà. Bon, j'espère qu'on y arrivera. Voilà. Donc, s'il y a des questions hein, sur le sujet, je veux bien y répondre, essayer de répondre. S'il y a des choses que vous avez mal compris ou que vous voudriez des précisions, ben, je suis là. Bon. Ben on va clore, on va laisser on va laisser pour les dialogues s'il y a des questions.